Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir Le Monde. Bonsoir Martinique. Bonsoir Guadeloupe. Bonsoir Guyane. Bonsoir Haïti. Bonsoir Chili. Bonsoir Brésil. Bonsoir États-Unis, Canada. Bonsoir Le Monde. Bonsoir l'Afrique. Et plus précisément, on salue tout le monde de la France qui fait nos plaisirs branchés via www.radiofanfanmusique.com et bien sûr tout le monde qui est branché via l'application de la radio, Radio TV Fanfan Musique sur iPhone, Radio Fanfan Musique sur Android et bien sûr le monde qui a gardé nous capoter en même temps via Live Facebook, via YouTube Live, via Instagram Live, nous en direct à travers le monde entier. Et je te dis là, je te promets qu'il y a chose dit, chose faite, mesdames et messieurs. Nous gagnons avec nous un artiste et moi je tiens à ce que je recevoir parce que je fais émission et son artiste qui fascine ma vie et nous toujours et Haïtien toujours plus salut du monde et les Opala et nous avons un paquet de bel héritage, nous avons un paquet de belles bagailles, nous avons un paquet de belles bagailles. Nous recevons pour actuellement en direct depuis Haïti, le rôle Josué est en pile, en pile, en pile. Nous allons laisser, comme si nous n'avons les plein milieu de l'océan, dans l'Antilles, pour fouiller. Nous allons aller la vache la grenade, et nous, que nous déac la donne, nous allons attendre. Bonsoir, merci d'accepter l'invitation depuis Haïti. Et nous on baille aux gens déjà, mais là nous même nous allons bien passer là. Et on m'a plutôt saluer le peuple, saluer le monde, saluer tous les fanatiques à travers le monde entier, mon Paris. L'homme de Paris, Paris c'est ville, Paris c'est pays, Paris. Et nous avons ce deuxième terre natal, les rôles Josué, quand les rôles Josué font pas que gros gros sale. Et nous pas citer Kébranlé, Jacques Chirac. Et nous avons tant d'autres encore, mais nous avons quitté sous ça. Et nous avons quitté nos papas là. Et depuis que les rôles nés, c'est lâché là-bas. Et bien ça, nous ne parlons pas de la peuple. Nous ne parlons pas saluer le peuple pour entrer dans les États-Unis, qui a ravagé le monde là. En pile signification, en pile, on a posé des questions. Nous avons pas une réponse là. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et moi, t'en merci, Fanfan. La Réunion. Merci à tout le monde qui a écouté de part. Pas tout le monde, tout le monde en Afrique, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, dans les Caraïbes, dans les îles francophones. Merci en pile, c'est un plaisir pour moi effectivement pour me participer dans show ça, dans émission ça et pour me partager nouveau projet qui serait qui les pèlerinages, nouveau projet nous va le vivre, un projet m'a vivre longtemps en tant que monde, en tant qu'artiste que me partager immoso la donne pour nous, c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir pour moi. Et m'a dit un bagage avant me quitter faut poser question yo et un journal, c'est très symbolique ça que fait là parce que vidéo a sorti album n'a sorti 28 mai et deux gagnent un journal en Afrique le panafrican.com qui font article et puis deuxième premier côté qui captant des voix c'est nous mêmes c'est communauté haïtienne là et son projet international projet qui sorti qui enregistré dans plus sur plusieurs territoires ça veut dire c'est l'Afrique avec Haïti qui recevra projet en premier et c'est pour eux c'est là le sorti. Et puis après l'autre jour, il y a plein de journaux dans le monde qui contactent, beaucoup répondent. Et puis c'est avec deux magazines ça. Oui, c'est exclusivité qui a parlé là nous-mêmes. Ouais. Ok. Et Wal, encore une fois, et merci du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation pour être capable de décortiquer
et nous capable dire rapidement nous parle on parle bail mon la mise en bouche qui est Hérol Josué rapidement et puis nous même pour nous rentrer et dans gros quelqu'un chaîne œuvre ça que vous faites là. Merci, moi-même c'est un plaisir pour moi. Moi-même accepter c'est vraiment c'est réducteur, c'est mm-hmm. pas capable accepter participer non bagaille dans un show comme ça et puis merci tout le fait que Radio Fanfan Musique toujours a pu supporter travail moi en tant qu'artiste, supporter travail moi dans communauté parce que malheureusement pas souvent depuis quelques années pas souvent en France chaque jour chaque plusieurs mois mais à travers nous-mêmes à travers et ça n'a pas fait nous kembe mémoire moi travail moi vivant en dans communauté. Exactement. Même question c'était pour moi qui est-ce qui est Josué, je suis artiste. Je suis chanteur, je suis un gars. Mm-hmm. Initié mm-hmm. moi prend son depuis l'MD dans le début de vingtaine moi mm-hmm. moi initié grandi dans un temps vodou familial mm-hmm. moi chanteur chorégraphe danseur mm-hmm. m'apprendre danser mm-hmm. déjà sous péristyle ça et puis m'a fait technique danse moi m'ta l'apprendre avec Viviane Gauthier et puis BFH ballet folklore haïtien mm-hmm. et puis m'ta continuer fait sous bon pas dans l'ENART école nationale des arts côté m'ta fait on met du en danse. Après musique, j'ai commencé à chanter, m'apprendre à chanter la musique du terroir en mm-hmm. même temps dans péristyle famille de gain mais mal mm-hmm. technique classique, technique qui chanter mm-hmm. avec Lina Maton Blanchet mm-hmm. qui était une plus belle pianiste et professeur de chant qui était en Haïti. Côté m'était apprendre les techniques lyriques, toutes les mm-hmm. techniques italiennes pour me gérer voix. Mm-hmm. Donc monde qui était qui très précoce, mm-hmm. on commencé faire pile bagaille très jeune. Mm-hmm. So m'apprendre danse la musique là, m'était mm-hmm. commencé apprendre pays à depuis m'était plus jeune, très jeune avant m'était voyager aller en Europe, m'était mm-hmm. apprendre pays à tourner à l'intérieur, moi aller dans au Cap, aller au Caï, aller tout partout, aller Jacques Mel, aller découvrir, m'était toujours bon esprit d'anthropologue, esprit d'ethnologue, mm-hmm. esprit de terrain. Malgré m'était grandi dans vodou, même devait comprendre vodou de notre manière à travers les paysans, à travers la simplicité cité à travers d'autres espaces qui pas forcément pas au prince là où j'ai grandi. OK, très bien. So, du coup, j'ai commencé à faire communication, j'ai travaillé à un moment où j'ai co-animé une émission dans la radio nationale que les racines de la Caraïbe qui est une émission vaudou. C'est mm-hmm. un membre fondateur qui était créé émission qui jusqu'à présent qui existait depuis plus de 30 ans sur Radio Guinée que les racines Guinée qui baptisait le bal non. Mm-hmm. Moi j'ai fait des bagages très jeune, j'étais très jeune, j'ai commencé depuis avant de finir bac, même commencer par le prendre cours en tant que m'a participé comme étudiant libre dans la faculté d'ethnologie Ouira, mm-hmm. institut d'études de recherches africaines pour être capable de mettre bête sur moi pour me faire émission. Yeah, yeah. Donc, c'est tout ça yo et puis après ça la vie a vienne mener en Europe très jeune mm-hmm. nous, spécialement à Paris côté mm-hmm. première destination c'était en Suède à Stockholm mm-hmm. et m'pas traité là m'étais préféré venir dans pays et francophone côté mm-hmm. qui était plus facile pour moi de venir en France mm-hmm. j'ai vécu des années des décennies à Paris spécialement où mm-hmm. j'ai appris à connaître la vie le monde parce mm-hmm. que hors de la famille sorti dans on l'autre zone oui son l'autre bagaille oui des beaux qui étaient familles son l'autre niveau qu'a parler là faut dégager faut nager pour sortir j'aime toujours dire là nager pour sortir yeah. exister parce que son choc culturel tout son choc exactement culturel, parce que qui était famou qui était toute bagaille derrière et puis l'arrivée dans pays de plus souvent pas gain famille ou isolé et faut oui. faire en sorte que pour mettre le maximum d'intelligence sous vous pour oui. faufiler et pour faufiler entre les lignes pour capable arriver à destination qu'on a besoin et c'était un pays francophone, il était capable d'être facile et en même temps mm-hmm. difficile parce que moi-même arrivé à Paris dans la période sous François Mitterrand mm-hmm. et puis parce que la fin de François Mitterrand et puis après ça pour aller gagner en pile bagaille immigration problème immigration pour arriver j'ai vécu mm-hmm. tout ça la loi de Bré, la loi ceci la loi Chevènement ça quoi poitis j'ai appris à connaître j'ai appris à découvrir à me à grandir moi-même mm-hmm. à travers ces expériences côté apprendre découvrir l'autre monde tout qui parle là pour moi qui parle supporter qui parle et bam lumière bam route parce Exactement. Que des fois l'arrivée faut que vienne lumière faut que l'autre monde qui dit je te donne la route oui, comme disent les africains et pour montrer le chemin oui j'ai des amis qui étaient des amis musiciens des amis métro qui étaient venus qui viennent tourner des familles jusqu'à présent je dis à qui t'ai dit je te donne là où qui t'ai bambou qui t'ai bambou chemin qui a eu de mauvaises expériences aussi partout et ben grandir j'ai appris à grandir et puis
exister en tant que musicien, m'te choisi voix parce que m'te l'aime bien à Paris, l'aime bien en Europe. Premier rêve moi c'était pour m'te faire cinéma et puis m'te wel devine difficile pour m'te exister à l'époque pas de grand pile monde noir qui fait cinéma français et li pas facile pour moi à la casting, il pas prendre ou soit et m'pas répondre à type moun yo t'ap chercher parce que déjà m francophone. Il y a des moments, il y a des stéréotypes, il y a cherché dans noir là, on pas de gagner. Donc du coup tout apprendre compte tête moi me dit bon c'est je suis danseur là mais je veux faire de la musique et j'ai appris à mal recommencer dans et personnaliser professionnaliser voix faire des bagailles et c'est la musique là mené aux États-Unis tout quitter à la France après des années mal vivre aux États-Unis côté me sorti un album que les règlements entre les États-Unis et Paris côté me t'est sorti me vivre dans des années aussi entre dans Manhattan et puis Miami et là tout ça qui pral bail force dans travail là tout les bruits du métro Paris les odeurs parisiennes, le mélange, tout ça qui peut façonner comme monde. L'expérience, mes amis africains avec leur accent, mes amis africains avec leur philosophie. C'est comme si avoir vécu à Paris ou à New York, c'est comme si on a vécu dans le monde. C'est des grands melting pots, c'est des grandes villes qui ont toute qualité monde, toute qualité manger, toute qualité odeur. Tout le monde est mélangé ou rencontrer le monde dans une seule ville. So, je pense que c'est des fois, font mon deal, c'est un privilège. Okay. De pouvoir like, vécu dans ces grandes villes, dans ces grandes métropoles, et à travers ça, qui parle envie aller en Afrique plus tard, même t'es comme si m'étais toujours connu l'Afrique, c'est comme si m'étais toujours connu le Pakistan, c'est comme si m'étais toujours connu les pays du Maghreb. Exactement. Plus tard, m'a le Maroc, dans le festival et jazz au Maroc, mais là, j'ai connu ces communautés déjà à Paris, j'ai connu, j'ai découvert l'Italie déjà depuis de New York, tu vois. Tout ça yo façonné en tant que artiste, en tant que monde, en tant que migrant qui pral bam l'autre, qui pral faire moins bar alors l'autre gens tout même cérémonie yo, comment on va faire des cérémonies adaptées pour les immeubles de Paris. Exactement. Comment je vais faire des cérémonies adaptées pour ne pas nuire l'ordre établi parce que la culture d'accueil dominante reste la culture d'accueil dominante. Parce que tu n'es pas en Haïti, tu n'es pas chez toi, tu es chez les gens, même si c'est un pays libre, un pays démocratique, mais le pays a sa façon de voir. Exactement. Les religions, le bruit, et c'est tout ça qui peut le façonner comme monde. Je pense que tout ça au service dans tout ça à part à part et savoir me sortir Haïti savoir grand monde moi t'es bon si rapport avec loi moi rapport avec les ancêtres moi rapport avec l'humanité à j'aime te grandi avec un environnement soleil la lune dans l'eau à bête yo et j'aime vivre avec yo j'ai été vous doit concevoir la vie la création du monde là tout ça homme devenir avec eux dans tête moi dans l'esprit dans valise moi et le arriver en Europe et aux États-Unis avec moi relativiser. Très bien. Et mesdames, messieurs, encore une fois, on a bien passé là. On a pas bloqué sur Fek branché là sur www.radio, télévision, Fanfan Musique. Côté ou qu'à côté nous via l'application, ou qu'à côté nous via Instagram, Facebook, ou qu'à côté nous via YouTube Live. Et bien sûr, avec nous en direct depuis Haïti, Rol Josué. Et côté, nous pral décortiquer et œuvre ça, que Rol Josué est poté pour nous, poté pour le monde, poté pour, poté pour tout Haïtien en général. Ok, et l'album Pèlerinage, Erol, qui est sorti, il y a pas si longtemps de cela, mais gon mosso, gon musique sur l'album ça, qui clippé, qui est Erzuli, et nous allons parler de l'album Pèlerinage là, et puis nous allons focus et sur grain musique ça, et nous avons en pile question sur Erzuli. Déjà, pour qui ça, ou choisi, et sur l'album non, et Bayou musique pour te non, et grand femme ça. Ok, c'est ça, c'est la question. Oui, c'est ça, oui. Pour que ça c'est Erzuli, bon. Pour que ça n'est pas Danto, pour que ça n'est pas Ogou, pour que ça n'est pas l'autre, pour que ça c'est Erzuli. Déjà, je pense que. Est-ce qu'il y a un rapport spécial avec Erzuli tout? Est-ce qu'il y a des bagailles qui passent dans la vie ou ouais ou dit ou rêver ou connaît ou ouais ou t'as dit ah ok n'a pas mettre petite musique ça Erzuli. Laisse-moi vous expliquer les. Laissez-moi. Non, album Pèlerinage, il est bon pour nous découvrir d'abord. D'accord. Découvrir. Album Pèlerinage, c'est un album qui fait avec 18 morceaux. Ok. 18 morceaux qui c'est une histoire, qui c'est un album dans lui-même. Chaque grain de morceau, son tranche d'histoire. Très c'est bien. Pour ça, il fait 10 ans, m'a pas enregistré, il fait 10 ans, m'a travaillé. Mm-hmm. Et Pèlerinage n'est pas sorti avec un. Ah
pour interview. Oui, nous là. Allô? Oui. Pèlerinage nous a parlé. Oui, oui, on connaît, nous connaît. Oui, et pèlerinage là c'est pas c'est plus qu'un projet musical, c'est un projet philanthropique. Très bien. Il y a un livre là qui raconte l'histoire 10 ans de pèlerinage là. Et on lettre les bab si t'a m'a raconter que Jean pèlerinage là fait venir ou soit si nous voulons si gain petit temps m'a raconter nous mon son. Non, petit temps et pour nous frère. Les aïvou lié papa. Là nous pas bien passer Jacques Mdo son nom bois fouillé ni nous deux à la dans et puis nous même n'a voyagé, n'a tube et puis n'a bien passé là frère. Oui. Ah mais pour nous qu'à comprendre pour nous arriver dans Julia, on dit nous pas loin pour nous arriver près. Exactement. Parce que clip là tout près, nous clip là sorti il y a 5 6 jours, album là sorti 28 mai officiellement sur toutes les plateformes yo, ça est tout près. On a loin pour nous comprendre pèlerinage là. Projet pèlerinage, on pas rendre moins compte que c'est si nous si nous toujours travail n'a fait travail l'autre haïtien, ça n'importe nous-mêmes. En tant qu'artiste, en fait, c'est toujours un travail de pèlerinage. Très bien. L'homme qui était les États-Unis, l'homme qui était Haïti, Paris, mal vivre aux États-Unis d'Amérique, moi, j'ai gagné un projet pour mal présenter un film sur les morts nuits que j'ai fait à Boston avec une université, Harvard Université, mais c'est en Suisse pour mal présenter dans le festival, festival film ethnographique. Et l'homme fin film parler dans radio suisse et puis quelques années plus tard un an plus tard une production belge qui contactait aux États-Unis qui a cherché qui dit il a envie faire un film il a fait un documentaire autour d'Haïti il t'arrête même comme fil conducteur comme son fiction documentée c'est moi qui fil conducteur pour ta rentrer au Haïti très bien mais à partir de interview tandia et voilà nous discuter l'aime dans des documents me dit qui plan eux dit me son documentaire besoin pour mener faut m'aller dans toute pèlerinage pour m'aller faire pèlerinage puis y a suivre moi dans pèlerinage OK et me son qui toujours voulait honnête à tête moi mais en même temps des fois tu sais l'autre trop jeune ou soit bagarre tissou ça peut arriver il y a des jours sans et des jours avec il y a des jours descendre quand nous de mauvais pied et là je pense ce jour-là j'ai pas été gentil avec ces gens-là et me dit moi je ne fais pas de pèlerinage. Mais tout ça me garder dans pèlerinage là moi c'est mon les aucun problème visa problème passeport paquet monde sale non paquet partout qu'a fait tintin dans rivière sale dans l'eau sale je ne suis pas je suis pas de ces trucs là et j'ai envoyé balader la production et ils ont essayé encore ils ont essayé j'ai pas mordu à l'hameçon ils me dit non ça pas intéressé et puis à un moment de la durée on commence à réfléchir me dit mais qui tintin me fait là et comment je peux dire ça de mon peuple, des gens qui cherchent la vie. Si moi-même je dis pas de problème visa, pas de problème résidence, pas de problème passeport, c'est moi-même. Mais yo même si c'est ça ou gagne à le chercher, c'est ça à demander. Mais peut-être qu'il y a d'autres bagages pour demander. Et puis finalement j'ai accepté, j'ai dit aux gens OK, on va partir au pèlerinage, bagage ça. Bon, j'ai accepté. Après avec un pile questionnement, avec un pile bagage parce que entre tout ça, on te gagne comme bagage, ou quitte ou Paris, New York, des bagages. J'en finis pour la vie, traîne, on en est pas de Sodo, bassin Saint-Jacques, c'est l'autre fois. C'est battement bagage ça, là, encore. Même retiré, Bladan, ton monde musical, je joue dans le plus grand club aux États-Unis d'Amérique. Musique, moi, font musique les papas locaux qui numéro un dans les clubs au Japon. Et que, on commence à perdre dans sa humilité. Et à partir de là, j'ai appris, j'ai accepté. Monsieur, on prend avion, on vient rencontrer Miami, nous prend avion ensemble, nous entrer à Haïti. Et c'est là que le pèlerinage a commencé. C'est qu'il y en a qui ont fait un livre et l'autre a fait un film. Non? Et là, on parti Sodo. Parti Sodo, première destination pour Port-au-Prince, après Sodo, pour 14 juillet, pour nous arriver 5 juillet, on était Sodo. Mais pour tellement de assurance dans ça, c'est des côtés que comme d'aller grand monde m'était même des petits monde des plus jeunes mais là retourner d'une autre manière là, m'accompagner dans paquet d'amis me sentir qui déranger équipe là mais qui pas gain choix puisque au besoin ça me ça gain même dans besoin besoin exactement oui y accepter bon. L'autre monde ça vient avec vous et franchement c'est l'expérience extraordinaire côté m'a prend premier claque en tant qu'artiste claque m'a découvert Haïti m'a prend un calotte extraordinaire côté les m'a découvert Haïti me dit on l'autre m'a redécouvert Haïti d'une autre manière m'a regardé Jean Mounio Clo ça le représenter pour yo ça Vierge Miracle représenter pour yo ça pays ça gain comme richesse la donne patrimonial la donne et on commence à me dire mais qu'est-ce que j'étais con
et puis m'a découvert le même découvert des bagages qui très dur tout côté haïtien dans plaisir côté l'attaquer monde de violence m'a découvert haïtien dans toute sa splendeur dans tout côté la sublime même côté la faire des bagages des méchanceté tout côté moi-même sont en Europe côté m'habituer à protection bête côté m'a regarder à l'époque pas tout paquet moto Haïti m'a tendre des mounier des bêtes sous bête sous bête côté a battre bête sur y a battre cheval yo m'a ingurgité m'a prend énergie m'a accepter game pas accepter tête m'en rempli et après tout de suite pèlerinage nous parti après Sodo nous parti bassin Saint-Jacques mal tombé non plus là bou encore côté encore clac côté m'a rencontré loi m'nan loi met tête moi loi qui marche avec m'nan caillou dédié pour lui espace dédié pour lui qui c'est espace Saint-Jacques là bassin Saint-Jacques au goût qui c'est Dieu de la force qui m'a force pour me kembe jusqu'à présent malgré les vicissitudes de la vie au goût qui c'est symbole indépendance pays d'Haïti a qui c'est choix la bataille indépendance m'a regardé état jean moun yo météo en humilité en saleté en propreté pour fédérer le malgré après 200 ans et quelques temps mais en même temps état tout lié état bassin ça ça que la donne dévotion à yo c'est beaucoup et puis continuer dans les limonades nous marcher regarder nous fait près de 3 semaines en pèlerinage, rive juste Sainte-Anne. Ok, tourner en Europe, tourner en Miami, pas qu'à dormir parce que j'ai trop. J'ai trop. Oui. Sous 3 mois, je tourne à Haïti encore, je refais tout pèlerinage encore sans bague fête là. Ok. Je retourne sur les lieux. Je retourne encore. 2 mois encore, je retourne encore, quand j'ai grandi, je fais tout net là, net. Je commence à prendre route là, quand j'ai avec dictaphone moi. M'a continué à enregistrer ça me dégage sur téléphone m'a metté parce que mounio a parlé avec m'a rencontré mounio m'a fait récit de vie c'est comme si m'a fait monographie côté me passé wow. Et à partir de là m'a ingurgité m'a pas prendre et là m'a prendre compte à partir de là je suis devenu est-ce que c'est ça se mettre fait jolet fanfan non oh la game et où ça ne l'a à partir de là à partir de ce pèlerinage à partir de ces voyages je pense que je suis devenu un grand gang OK parce que des ongans déjà même dit expérience ça rencontrer moun yo et c'est lui même qui pral fait de moi même tout si me son artiste un grand artiste côté me pral descendre pour al comprendre les autres là yo comprendre moun yo accepter moun yo faire ça oui la notre topologie l'observation participante côté me participer côté me baigner dans de l'eau côté m'accepter gagner pour me comprendre, m'accepter pour me comprendre et en même temps mal avec grandeur d'âme moi tout ça qui m'était en danger pour me dire non je ne fais pas ça. Non bien lumière non même pas faire. Et à partir de là collectage de son yo ils vont côté qu'on y a là nous pral collectage de son on pral camper pral monter concept pèlerinage là concept musical là avec loi qui marchait avec moi yo avec loi qui dans pèlerinage là côté pral parler de la nature côté pral contrer de vrai l'autre musicien qui nous va le mettre nous va faire arrangement musical là ça sont une phase l'un film et nous t'es après près d'une vingtaine ou trentaine de morceaux qui t'enregistrés qui va le faire nous va le faire des mots et puis à quelques temps plus tard ça prend du temps n'a pas enregistré mettez là enregistré fait des mots et puis vient un tremblement de terre pèlerinage là continuer pendant tremblement de terre c'est le moment où t'as filmé on parti dans pèlerinage là dans studio que c'est dans studio. Ouais. 2010 et du coup et en 2010 et c'est là moi va le redécouvrir encore en l'autre Haïti côté pèlerinage a m'inspiré me font morceau là dans qui relé avec les kété qui c'est un morceau qui inspiré de émission t'a regardé dans CNN sur tremblement de terre en Haïti d'habiter New York à l'époque qui est inspiré avec pèlerinage là grandi même ailleurs même ça désastre naturel il pas inspiré pèlerinage là c'est pas juste ça qui est sous place seulement qu'il y a l'autre bagaille et c'est comme ça pèlerinage là grandi lui grandi enregistré New York enregistré Miami enregistré Paris enregistré en Afrique enregistré Jacques Mel et tout côté ça qui pral fait travail là extraordinaire mon juste musique pour Ogun pèlerinage on t'a parlé tout à l'heure sur bon musique sur album là que les Chango qui s'est côté m'en louange avec toute escorte toute nanchon loi au goût du feu au goût ferraille au goût badagre au goût batala nego bakoso alade nous rend louange avec lui moi chanter parce que c'est lui même moi même c'est patron c'est papa avant et spirituellement et ton musique pour papa pour brave guider ba on samedi parce que expérience dans diaspora l'on pas mourir les propres communautés pour pas manger les propres monde qui dans même religion avec
apporté des séquelles et puis lui-même n'est en vie responsable. Le ou même toi en tant qu'artiste, en tant qu'haïtien, tu ne peux pas être accepté parce que tu ne peux pas être compris par ta communauté parce que tu n'es pas comme eux. Parce que le non-respect du droit à la différence, la communauté, des fois la communauté haïtienne, est, peut être très dure. Très dure. Une communauté très dure et difficile. Et très difficile et très compliqué tout. Compliqué qui pas baou rien, c'est pas lui qui acheter album, c'est pas lui qui c'est qu'on pas seulement le remettre fond. Il pas venir faire tout, il pas venir rien encore. Il pas venir faire tout. Mais l'envie qu'on qui j'ont l'envie qu'on qu'on dormi, l'envie ouais critiquer j'ont habillé, il pas remettre toute bagaille. Moi-même j'ai toujours été un artiste atypique, pas habillé pour tout le monde, pas habité même contact tout le monde et en même temps, en tant que Hongan, il fait toujours la forme de la communauté pour m'acheter. Pour la communauté pour m'acheter des bagages pour me faire magie, pour me faire Hongan. Exactement. Mais la forme de la communauté, c'est un claque que je prends. Du coup, ça fait la communauté, ça fait pour me protéger. Mais où allô? Il y a un petit problème. Réseau? Et je dis dans ton son album, là, les son album, là, sous nom Reine Sobo, la reine de la foudre. Reine Sobo a dominé. Nous avons Ogou, nous avons Philly, Freda, nous avons Brave Guédéa. Et puis, musique en hommage pour les victimes du tremblement de terre. Nous avons Vaudou, entre autres. Ils vont côté tout grand musicien. Nous avons monté un cœur ancestral Vaudou, créé les Negues Fla Vaudou. Et m'a allé en studio avec 17 femmes, 17 mambos, 17 initiés. M'entrer dans le studio Jacques Mel avec eux, m'enregistrer. À la musique internationale là avec yo. Très bien. So, et c'est yo même mon partenaire qui dans vidéo ça, c'est même yo même là, c'est pas des figurants, c'est des vrais acteurs, ce sont des vraies actrices, c'est des vraies chanteuses, c'est des vrais son vrai chorale que nous montons depuis 10 ans pour nous faire inventaire du PCI, ça le PCI patrimoine culturel immatériel là à travers les chansons du vaudou, qui c'est les images, qui c'est vrai bible orale vaudou. OK, mais Erol, mais n'a pas gardé pour nous Dans le clip là, nous allons écouter un extrait. Nous allons attendre un extrait. Ok, nous avons regardé dans la musique là, il y a un paquet de monde qui a posé des questions. Par exemple, nous avons une machine à coudre, nous avons côté et femme à coudre. Mais la machine à coudre là intrigué mon yo. Nous avons un paquet de machine à coudre. Nous avons un passage côté il y a 4 femmes. Chaque femme a une machine à coudre sur tête li. Mais c'est des machines à coudre qui datent vraiment de 1980, 79, si c'est pas plus même les anciennes et machines à coudre. Comme si et ça 1940, 1920. OK, justement, OK, ouais. Bon, qu'on a ça capétrigue mon comme si qui signification et machines à coudre ça au côté nous mesdames yo. Non et pas dans le désert mais non côté gon paquet roche et puis nous mesdames yo comme si à descendre on pente. Comme si Moussa intrigué Mounio, nous avons posé des questions. Et nous avons suivi le mail que nous recevons. Depuis la guerre affiche là de Yoa. Et Mounio a besoin qu'on aime. Espérer que Mounio pourra l'écouter, pourra réécouter l'émission encore. Pour jouer des significations. Et puis voilà. Et puis, nous attendons. Mon cher, nous comptons question ça et approche là. Parce que c'est vraiment, c'est pas pour esthétique, nous utiliser, son histoire qu'a raconté. Ah. C'est tout un concept. Voilà, ça va, ok, va, il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, tout. Ou son a qui fasciné en pile moulin, de façon comportement, j'en chanté, j'en particulier, j'en fait bagaille, le vaudou jazz, vaudou soul. C'est du lourd, c'est du costaud, c'est du propre. Du coup, thank franchement, you. Non, félicitations. Mais là, encore une fois, les n'a gardé clip ça. Yo, nous rete bouche bée intrigué devant et tout passage ça yo. Et il y a des regards dans le clip. On voit des regards. On dit qu'est-ce que en fait on cherche en fait nous qui regarde le clip. On dit. Comment expliquer nous ça qu'a dit dans le clip ça. Comme des fois ils sont restés wall music là, c'est wall musicien. Hein? C'est pas que. Même si je viens voir mon algadé, mais faut que je parle de détails là. Clip Erzuli, déjà je parle de morceaux musique Erzuli, hein, qui sont musique sur Erzuli, qui c'est symbole de la divinité de la femme haïtienne. Okay. Qui c'est symbole femme, la femme racine, la femme sang. Erzuli et musique là du maman, pas vraiment dans le clos. C'est femme ça que tout haïtien reconnaît, qui est tout est vaudouisant, qui est pas vaudouisant, qui est tout et protestant, tout le monde connaît Zulie Freda, en bien ou en mauvais. Ok.
Mais grand monde qui m'a dit, est-ce que grand monde qui m'a dit, est-ce que l'on a dit maman moi, et puis et en fait le ton, la façon de le dire, la façon de le prononcer, en fin de compte, est-ce que son secours qu'a demandé, est-ce que c'est ou engagé qu'on secours qu'a demandé ou après les mamans et nous connaît tout être humain. Laisse-moi raconter le clip et les gens vont comprendre. La personne va comprendre. Je dis par rapport à que ça n'a vive dans le monde. Par rapport à que ça n'a vive en Haïti spécialement. Nous face au pays côté en le monde côté tout le monde aujourd'hui a parlé de par exemple de problème réchauffement climatique, n'est-ce pas? Exactement. Nous même qu'à vivre en France, en Europe, nous avec les gens combat qu'a fait pour contre le réchauffement climatique, même la maquette où il n'y a pas de plastique encore, on a combattu le plastique pour le réchauffement climatique. Exactement, très bien. Et problème pollution qui fait pour bagaille, des fois nous à Paris, gros mois de novembre, décembre, il y a soleil, des fois nous contents, il ne faut pas content non, parce que c'est un réchauffement climatique. So, tout problème ça, environnemental que nous avons vécu dans le monde, là nous-mêmes, qui cap vivent dans l'île en Haïti, encore 24 fois plus. Parce que nous prenons, nous en dans l'île. Ok, très bien. Et environnement ça, le clip qu'on parle, c'est aussi une dénonciation. C'est ma façon à moi de faire, de manifester. Il y a très des gens qui prennent la rue pour aller manifester. Vous voyez, moi, je fais l'autre manifestation. Okay. Manifestation, pas maintenant, quand ça lié, moi, je montre force vive là. Il y a sous plusieurs angles. Okay. Notez angle, auditeur Captain Dia. Premier angle, moi montrer que femme vaudoua, il y a une histoire de corps. En plus, le monde n'a pas besoin de faire gagner des belles femmes qui sont toujours sous belles machines, qui sont des belles gros machines, qui sont des belles cheveux sous doyo. Gros sous zoom. Des femmes plastiques qui sont montées derrière. Eh bien, j'ai monté ces femmes réelles avec leurs gros seins, avec leur visage plissé. Et plissé, ces plis ne sont rien que les expériences de la vie. Wow. Monter ces femmes qui viennent des périssiles, qui viennent de qui sorti dans Serail Vaudou, qui portait l'histoire pays d'Haïti, qui pas dans livre. À travers femmes ça yo, me fait manifestation, me dit mesdames, messieurs, dames. Ça c'est une première manifestation. Deuxième non, moi montrer la force vive du travail après réservoir. Monter la force du travail à travers les machines à coudre. Ce projet se fait autour de la robe d'Erzulé. Mais c'est une excuse. Lorsqu'on fait la robe d'Erzulé, qu'est-ce qu'il y a autour de la robe d'Erzulé? Beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de gens se sont mis ensemble dans un atelier. L'atelier se trouve où? Dans une carrière de sable. Exactement. Les gens, ils escaladent. Ces femmes escaladent la montagne. Et qui sa carrière de sable, mine sable, là-haut? Ah, mais son problème environnemental. Il n'y a pas d'arbres, c'est pas vert, c'est blanche, c'est sec, c'est aride. Mais c'est ce qu'on vit nous autres tous les jours en Haïti. C'est ce qu'on vit également dans le monde à travers le réchauffement climatique, problème environnemental, là. C'est une dénonciation. En même temps, ce clip peut être, c'est artistique, c'est beau, beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup, politique, beaucoup, c'est social. Beaucoup. C'est dénonciation pour montrer mes femmes, mes états environnement, mais trouver la beauté à travers la misère. Trouver cette beauté, cette force vive, ces femmes qui travaillent dans les factories et bien qui escaladent. Maintenant, c'est pas plus un garçon qui s'écler pour planter, non, mais c'est des femmes qui escaladent pour aller bailler main d'œuvre là. Et côté aller, c'est dans la carrière sable, là, ça se passe. Et autour d'un seul projet. Et en même temps, c'est un appel à la réconciliation, c'est un appel au dialogue, puisque ce dialogue, c'est quoi? C'est cette robe. Tout le monde se met ensemble autour d'une seule robe. C'est un appel vers une reconstruction, vers le confection. Allô? Ouais, petit problème de connexion. Nous approchons Erol très rapidement. Donc, nous prenons Erol en direct depuis Haïti. Et via téléphone, et une personne a pu connecter très rapidement. Oui, désolé, il t'est coupé. Confectionnement, ça. Confectionnement, hein, il est fait à travers qui ça? À travers un projet qui sont en robe. Et à la fin, ouais, tout le monde avec un robe là, qui a fait plusieurs monde qui a pris un robe, un paquet de projets, concentré pour faire un robe. Ouais. Et puis, robe là pour un grand monde, pour un Zuli, et on s'attendait avec cette femme qui va venir porter cette robe. Eh bien, c'est moi, j'ai porté cette robe. Yeah. J'ai porté cette robe parce que je suis aussi le cheval d'Erzulé. Je suis aussi cet homme d'Erzulé. Je suis aussi cette femme d'Haïti. Je suis aussi la question du genre que nous régler à l'intérieur de ce clip également. Exactement. Parce que c'est ça le vaudou. Le vaudou, l'être. C'est pas le sexe qui est important, mais c'est l'être, en soi. Yeah. L'être qui est en soi. Ok, nous allons prendre pause.
On va bloquer sur Fait Brancher là, nos grands héros aujourd'hui en direct depuis Haïti, côté de la décortique et l'album Pèlerinage, mais plus précisément, et Green Music, ça, RZ qui sorti là, clippé, très bel clip, et la décortique avec Rol Jésus depuis Haïti. Et Rol, dans le même clip, ça a tout, gon côté. Côté où croiser bras et puis où gon regard figé et parti ça d'ailleurs expliquer nous et pour pas expliquer parce que ça intrigue en pile et leur croiser bras saute depuis devant les somacola et puis monter au croiser bras et pour gon regard lointain ou gon regard comme si ou regarde un bagage mais qui pas rien fin. En fait, c'est dire est-ce qu'on a traduit regard ça pour nous et dans moment ça, dans moment clip ça comment t'es senti ou parce que nous comme si yo, c'est de l'art, c'est comme si les nous et blab van tableau d'art, c'est mais là dans partie ça, ça intrigué en pile regard que on fait sur partie ça. Ah ben ce regard c'est effectivement c'est le regard, la façon que j'aime regarder Haïti, à qui j'aime regarder le monde là, qui j'aime pas oublier que pas qu'on est si ça frappe tout artiste, mais ça qu'a fait dans le monde là, là moi pas nous pas capable et rester les bras croisés, mais en même temps c'est tout esthétisme tout, qu'on appelle qu'on souci de l'esthétisme. Moi j'ai un souci du beau, j'adore les belles choses, moi j'aime les belles costumes, j'adore côté moi j'aime la nature, côté moi j'aime le pays, côté moi j'aime toute bagala, mais j'adore les belles voitures, j'adore voyager, j'adore tout ce qui est extraordinaire, qui est exquis. Je fais ce projet d'album, ce projet de musique pour arriver vers l'excelsior au niveau, pour atteindre l'ultime en tant que être spirituel, en tant que mystique, mais en même temps c'est pour pouvoir proposer en même temps, dans l'espace physique, ouais, la beauté, l'école de la beauté. Très bien. Nous écoutons un organe. Et aussi, dans le clip Sayol, les colliers qui sont autour, les colliers, c'est des colliers qui ont été travaillés et localement, c'est des colliers. Et comment arrive à intégrer et les colliers, par exemple, le maquillage, les belles choses, comme on vient de le dire. Les colliers sont magnifiques, plusieurs couleurs. Ça, c'est on peut dire que c'est l'arc-en-ciel, mais quand on regarde l'esthétique, la beauté, les gestes qui vont avec, c'est extraordinaire. En fait, est-ce qu'il y a un chorégraphe? Est-ce qu'il y a un paquet de monde qui a réfléchi autour de ces belles choses? Comment voir les choses? Comment s'habiller? Comment arriver à ces... à des rendus finaux comme ça extraordinaire. C'est une seconde équipe. Il y a une équipe, mais je suis le concepteur. Je t'ai dit, le trait du Nabaï Chayo, il même lui pas. Il faut pas être vraiment carré de carré, frère. Oui, bon, moi-même, je viens avec le concept là, mon équipe technique à filmer qui vient avec. Qui est de mes scripts là, elle me propose au script là qui dit, bon, c'est pas impossible à faire, le réalisateur. Et puis au niveau costume, j'ai fait la conception du costume, mais bon couturière, bon styliste qui travaille sur les Arnel Laguerre, le réalisateur qui s'appelle Suffren, qui font un travail extraordinaire. Mais à côté de ça, il y avait toute une équipe logistique qui aider ou accoucher concept. Parce que vous mettez un concept, vous mettez n'importe quoi, si c'est pour qu'on ne peut pas réaliser. Mais non, c'est gens... équipe qui bat, c'est colonne. Il y a toute une équipe, et c'est une grande équipe, parce qu'il faut sortir pour nous devenir chaudière, spécialement. C'est, ou même, ou consacrer des productions. Oui. Côté à faire bien son chaudière colonial. L'arrivée dans le montage, là, c'est ou pas où elle paraît, mais son chaudière colonial. Exactement. Et il nous a fallu beaucoup de temps. Pour trouver. Pour nous devenir une colonial là, pour porter les loups, porter le tel côté. Costume non fait avec 72 on tissu. Waouh! Et ils fait le deux, parce qu'ils ont fait un premier qui 72 on tissu, pas loin, et ils ont fait un lot qui n'est pas fini, puis ils ont filmé. Ils préfèrent, avant la vie, ils ont fait un lot qui n'est pas fini, puis ils ont filmé tout le processus là. Et nous prenons un mois d'après chaque jour, quand ils ont filmé, qui ont travaillé, ils ont filmé machine, ils ont filmé même mounio, ils ont fait des bagages qui pourront utiliser jusqu'à présent. Ok, très bien. Et c'est tout ça. Et au niveau collier, c'est très symbolique. Ou dans la collection, moi, c'est collier, je m'ai initié depuis 17 ans.
Recherche ta fait va va nous même nous pas. N'a pas gardé encore une nap tout. Carrière de sable, c'est tout contre qui sur lumière, qui appelle la lumière là, c'est en fait c'est toute une équipe, on n'importe le behind the scene, il filme là ouais tout, c'était pas c'est pas une petite production de deux trois monde, on parle de une vingtaine de personnes parce qu'on partit pas pardon pas parler de dessin garder côté by massage là exactement c'est l'arrivée là les noirs 2 minutes 08 gon côté gon massage avec bain feuille qui oui. Pareil tout côté ou ap danser côté ou gon paquet moun la cap crase feuille cap nous capable di sandi la kay nous bain mais là aussi c'est des en fait comment tu as l'intuition d'intégrer ce genre de choses dans le clip en fait. C'est là où les gens sont fascinés de ces c'est là où quand moi je regarde le clip, quand je vais regarder le clip en profondeur au-delà de la musique, de la voix, des rôles, au-delà de tout ça, mais c'est en fait c'est les détails, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de détails dans le clip. C'est le vécu et puis c'est toute la conception, toute la conception autour de Salier. On va regarder après qu'on filet. Yeah. Gon filet et nous capable dire filet ça c'est les Haïti tout jeune ouais mon yo pral pêcher et au gon filet c'est comme une scène là qui est attaché en hauteur et puis ah mais c'est contraste là c'est contraste là fafa pour public la comprendre parce que pour tout nom mine sable on carré de sable pas boire en mer encore OK alors dit à la montagne et nous venons filer poisson hein, juste en l'air tout mais c'est contraste le jeu et c'est le filet qui est devenu la maison comme de la maison indienne pour faire le massage. C'est tout un jeu pour comprendre dénonciation sous question écologique là à travers là. C'est que je dis il y a qui s'accrive dans la mer avec poisson noyau. Exactement. Nous laguer plastique dans la mer poisson après une poisson avec plastique dans l'estomac yo. Ouais. So, nous gon la mer cap souffrir nous gon et couche d'ozone là cap ban problème parce que nous met top pollution là-dedans. En même temps Erzuli qui est cette femme racine qui est cette femme amant de la beauté, cette femme de la déesse de la beauté, elle souffre aussi parce que nous sommes en train de salir l'univers, de salir la terre, de salir le cosmos avec nous autres humains, avec notre façon de faire, avec notre façon d'agir sur cette terre dont nous sommes que des passagers. Yes, nous parlons, écoute. Erol, si nous t'as écouté musique là qu'on y a, et félicitations encore une fois pour le monde qui connaît musique et les n'attendez et le travail guitare fait nous avons guitare en bas et les nous arrivé presque dans 2 minutes 30 par là nous avons guitare rock en bas dan, 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 comme si nous c'est agréable à l'oreille, c'est bien mixé, c'est bien travaillé, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas, c'est agréable à l'oreille. Encore une fois félicitations pour ce genre de d'instruments rajoutés. En fin de compte et la même question, en fait je repose la même question à chaque fois, mais comment et avec toute l'équipe ou le héros là, l'intuition d'intégrer ce genre de choses pour faire cette belle musique encore une fois agréable à toute oreille, ou qu'a fait écouter un japonais ça, ou qu'a fait écouter un asiatique ça, ou qu'a fait écouter un qui en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique latine, ou qu'a fait écouter un européen ça, ou qu'a fait écouter un africain ça. En fin de compte c'est agréable à l'oreille en fait. C'est cette belle mariage là en fait qu'on dit encore une fois félicitations. Mais comment tu arrives à avec l'équipe à rajouter ces genres d'instruments et dans la musique? Comme je dis, je suis entouré de très grands et bons musiciens qui sont en France aussi. Ouais. Le guitariste Jean-François Provost qui est super guitariste. Bon bagaille, pas vraiment si même dans ça. Le bassiste Frank Nelson, et le tambour Georges Bazira et Claude Saturne, et aussi Arthur Simonini au piano. C'est moi Quintet ça, je suis leur muse, je suis gâté quoi d'avoir Quintet. Et là c'est des mondes, c'est des rencontres du monde, c'est des rencontres de l'âme. C'est pas nous, on cherche pas la couleur de la peau, c'est la couleur de l'âme. Nous mettons nous en communication et puis nous faisons musique là, me raconter qui est-ce qui est Julia, nous entrer dans condition et puis Julia, ils ont délivré ça Julia avec toute dimension. Yes, très bien. Et nous pral fini et nous pral dire encore une fois l'album Pèlerinage
et nous avons un jeune album sur toute plateforme téléchargement légal. Et encore une fois, j'invite toujours nos frères, nos sœurs et les Haïtiens qui nous écoutent à travers le monde entier. Et encore une fois, valoriser ce genre de travail. Parce que, ou est-ce que l'interview ça me fait avec voilà, moi, fier encore une fois de ce qu'on a réalisé et des belles héritages que tu va nous laisser un jour que tu nous as... En fait, quand, et c'est esthétique, c'est beau, c'est propre, c'est de l'art. En fait, quand tu comprends pour expliquer Timounou en profondeur, les images, en fait, quand il y a beaucoup de recherches dans ce genre de choses, j'invite encore une fois les Haïtiens, encore une fois, à aller regarder, cliquer, partager. Et ce n'est pas seulement... Et la variété internationale n'a pas couru ceci, cela. La Caïpan, nous avons mine d'or. La Caïpan, nous avons des diamants, des émeraudes à l'état brut que nous pouvons même fouiller. C'est tête à nous gratter, nous seulement. Des artistes comme Urol, comme tant d'autres, encore une fois, qui font un bel travail. Un travail extraordinaire quand on regarde, par exemple, dans ce clip, il y a un moment où Urol, on voit Erol est habillé, on voit quatre femmes habillées en blanc, on voit et ce qu'on appelle en Haïti nous dit le scène, c'est côté on filet, comme si c'est d'avoir l'intelligence, d'avoir et l'intuition de rajouter ces genres de choses, de ponctuer ces genres de choses claires dans autour de la musique, autour de cette belle musique que tu nous donnes depuis si longtemps, depuis très longtemps. Ça mérite encore une fois aux auditeurs, encore une fois, de la radio-télévision Fanfan Musique. Vous allez cliquer sur YouTube, vous tapez Erol Josué et vous allez voir, vous tapez Erzuli, vous allez voir, vous mettez clip officiel si vous voulez, vous allez voir cette belle travail, cette belle réalisation de l'artiste Erol Josué. Erol, encore une fois, le mot de la fin, merci encore une fois pour ce genre de musique et merci encore une fois parce que tu as apporté cette belle musique au monde et surtout à Paris. On vous attend, on t'attend à Paris et pour venir sur le plateau et pour venir encore une fois performer pour tout le monde, pour les Haïtiens, les Européens, les voilà, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la France, c'est vraiment c'est le monde réuni, c'est le monde. Et dans ces grands pays là et quand on arrive, surtout à la capitale, quand on prend New York, la France, et quand on prend Berlin, quand on prend c'est le monde. Quand on prend Londres, c'est le monde qu'on rencontre dans ces grands pays-là. Et encore une fois, merci, parce que la dernière fois que tu étais passé à Paris, c'était quelque chose de beau, de propre. C'était magnifique ce que tu nous avais donné et offrir et aux Français, mais à la communauté haïtienne. On est... Encore une fois, fier de toi, fier de ton travail, fier de ton talent, fier de ce que tu sais faire, quand on entend dans la bouche d'un artiste, on travaille en équipe, c'est des mots forts, c'est des mots formidables, c'est des mots qu'on doit et faire comprendre aux jeunes, faire comprendre même aux vieux, mais surtout à la jeunesse, d'être en équipe, et c'est quelque chose de formidable. Erol, le mot de la fin? Merci encore, merci Stéphanie, merci Fanfan, merci tout auditeur et staff Cap Couté, Radio Fanfan Musique, merci en pile communauté haïtienne, merci en pile tout côté Cap Bam Love sous album Pèlerina, spécialement sur Musique Julia. Moi invitez nous à aller sur channel YouTube moi également pour nous abonner la donne parce que m'a ba nous un petit tripotaille tout petit. Album sorti. Li commencé à aller li nan compétition. Li nan compétition pour un gros bagay. So, mais c'est haïtien, c'est tout le monde méloman yo qui pour aller pour entrer sous channel là, qui pour like, qui pour abonner à channel là. Qui pour bal ça en anglais de market value name. Yeah. Bay nom la nom album nan valeur pour le rive côté. Yo commencé vle menel là. Exactement. Et merci channel encore. YouTube là c'est Erol Josué, c'est ça hein? Erol Josué. Ah, parfait. OK. Yes, très bien. Erol, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. N'a pas rappelé tout le monde qui t'a fait nos plaisirs branchés depuis Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, la France, Afrique, le monde entier. Nous t'avons Erol Josué avec nous en direct depuis Haïti. Et n'a pas rappelé que Erol Josué
et l'album Pèlerinage est prêt à arriver sous nous, mais encore une fois, nous pas oublier saluer bel clip ça que Erol Jojé sorti pour nous et le 10 mai et clip la sorti et jodi à nous 16 gain 6 jours depuis le sorti seulement. Erol Jojé Erzuli pour titre, allez-y cliquer sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, ou avec Koto tapez à web jeune démonter, mais il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travail derrière ce clip, c'est beau, c'est propre. Il y a beaucoup d'intelligence derrière et encore une fois, m'a profité toute équipe radio télévision Fanfan Musique joint à moi-même pour saluer travail ça que Erol Jojé ban nous, travail ça que ban nous encore une fois pour nous encore une fois al cliquer sur channel YouTube Erol Jojé pour nous faire travail là. L'artiste a besoin de nous, nous aussi on a besoin de ces gens d'artistes pour nous donner de la bonne musique, pour nous donner encore une fois de la bonne musique. Ciao, bye bye. C'était tout simplement et un petit rencontre avec Erol Jojé depuis Haïti. Ciao, bye bye.